Ok, les potes, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur Fortnite en mode Battle Royale, les gars. Une toute nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment avoir des V-Bucks totalement gratuitement, très très facilement et très très rapidement, les gars. Que ce soit sur PS4, Xbox, Switch, mobile ainsi que PC en chapitre 3, les potes. Et bien, donc pour tous les nouveaux et nouvelles qui passent sur la chaîne YouTube, et bien, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche des notifications. Voilà, tu actives bien toutes les notifications et directement quand tu vois une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, tu likes, tu commentes, tu spams ton Epic Game dans l'espace des commentaires, car comme vous pouvez le savoir, tous les jours j'ai des petits cadeaux à mes abonnés. Donc comment tenter de gagner un petit cadeau dans la boutique de Fortnite? Rien de plus simple, il te suffit de liker cette vidéo, de spammer ton Epic Game dans l'espace des commentaires. Une personne qui spammera 50 fois son Epic Game dans l'espace des commentaires aura beaucoup plus de chance d'avoir un petit cadeau dans la boutique de Fortnite qu'une personne qui spammera seulement 2 fois. Du coup, spam bien ton Epic Game dans l'espace des commentaires pour tenter de gagner un petit cadeau dans la boutique de Fortnite. Avant de commencer la manipulation, je voulais donc tout simplement offrir une petite danse à 500 V-Bucks à un abonné. Donc tout simplement, on va faire ça en vidéo, voilà, pour vous faire plaisir, etc. Donc si vous voulez tenter de gagner un petit cadeau dans la boutique de Fortnite, et bien donc tout simplement, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires. Donc là, par exemple, on va prendre au hasard. On attend que tout simplement les autorisations des infos se mettent. Donc on va ouvrir tout simplement à Baby Boss 007056. Donc on va tout simplement lui offrir ce petit cadeau. Donc on envoie un petit cadeau à Baby Boss, etc. de 500 V-Bucks. Donc directement, voilà, cadeau envoyé, vous avez envoyé ce cadeau. Et donc directement, voilà, on lui a envoyé ce petit cadeau. En tout cas, j'espère que ce cadeau t'aura fait extrêmement plaisir. Sur ce, les potes, bref de blabattage, aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir des V-Bucks totalement gratuitement sur votre compte Fortnite en chapitre 3 sur toutes les plateformes, que ce soit sur PS4, Xbox, Switch, PC ainsi que mobile. C'est une manipulation qui marche en chapitre 3, que vous soyez en saison 3, en saison 4 chapitre 3 ainsi qu'en saison 2 actuellement, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Du coup, on est directement parti. Avant de commencer la vidéo, voilà, c'est super important de rester jusqu'à la fin de la vidéo et de suivre toutes les étapes de cette vidéo. Si vous loupez ne serait-ce qu'une étape, ne venez pas vous plaindre dans l'espace des commentaires si vous ne débloquez pas vos V-Bucks totalement gratuitement sur votre compte Fortnite. Du coup, on est directement parti, les potes. Dans un premier temps, il va falloir aller dans votre casier. Une fois que dans votre casier, vous allez simplement faire ce que j'ai fait depuis, bah, simplement avant de commencer la vidéo. Donc simplement, vous allez compléter tout la première rangée ainsi que toute la deuxième rangée. Donc vous mettez vraiment, peu importe, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes items, vous remplissez juste simplement les cases. Au niveau de la troisième colonne, vous allez simplement rien mettre, ainsi que pour la dernière colonne, vous ne mettez rien. Il faut que votre casier ressemble à peu près comme moi. Une fois que ceci est justement fait, vous allez devoir pour la seconde, tout simplement pour la suite de la manipulation, vous allez devoir aller dans le mode jouer. Une fois que vous êtes juste ici, vous allez devoir appuyer en bas à gauche de l'écran. Donc je vais mettre un petit code tout simplement, les potes. Donc voilà, donc je suis en train de mettre le petit code. Donc le petit code qui s'affiche juste ici. Donc comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, donc c'est how to get free V-Bucks. Donc vous mettez bien ce petit code, donc un H majuscule à how. Donc how to get free V-Bucks, vous mettez bien ce petit code, c'est super important. Une fois que vous avez mis le code, vous allez directement l'envoyer. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo et donc directement envoyer le message. Donc vous envoyez ce petit message et donc directement vous allez faire changer de mode. C'est super important. Donc une fois que vous avez changé de mode, vous voyez, il y a plusieurs modes. Donc vous allez directement vous mettre en duo. Et vous allez simplement vous mettre en duo ne pas comblé. Donc là par exemple, je suis en comblé. Et bien donc vous appuyez et vous vous mettez en ne pas comblé. Et comme vous pouvez le voir, les potes, le petit message est totalement revenu en bas à gauche de l'écran. Donc how to get free V-Bucks. Il faut que le message soit revenu en bas à gauche de l'écran. Si le message n'est pas revenu pour votre part en bas à gauche de l'écran, ça veut dire que vous êtes sur la mauvaise voie de réaliser la manipulation. Et sinon tout simplement le code est revenu en bas à gauche de votre écran, vous pouvez continuer la manipulation avec moi. Il n'y a vraiment aucun souci. Du coup vous allez directement lancer la partie. Donc là, on va pouvoir discuter pendant que tout simplement la game est en train de se lancer, etc. Voilà. Donc il faut savoir, je vais vous dire pourquoi tout simplement je ne sors plus beaucoup de vidéos en ce moment. Donc tout simplement, voilà, j'avais tout simplement un petit problème, voilà. Donc tout simplement, j'ai le bac, etc. cette année. Donc c'est pour ça que tout simplement, je ne sors plus beaucoup de vidéos car je préfère me focaliser sur mes études en ce moment. Et donc c'est pour ça que je ne vous sors plus trop de vidéos. Bien évidemment, là pendant ce long week-end, donc vous avez normalement jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là où vous voyez cette vidéo, normalement ça sort le mercredi si je ne me trompe pas. Car je sais que j'ai simplement essayé de trouver plus
plusieurs glitches et que j'ai déjà tourné des vidéos à l'avance. Donc c'est pour ça, voilà, vous allez avoir plusieurs vidéos dans ce week-end car je ne suis pas là ce week-end. Je suis tout simplement en vacances, etc. pour ce week-end prolongé. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire quel type de glitch vous voudrez sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas à me dire vous êtes en quelle classe. Voilà, ça me ferait vraiment super plaisir. S'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi, etc., tout simplement qui ne peuvent pas faire de vidéos, etc., et tout simplement qui ont le bac. Personnellement, moi cette année j'ai le bac et c'est tout simplement pourquoi je ne sors plus de vidéos. Donc en tout cas, je tiens quand même à vous remercier pour l'engouement qu'il y a sur ma chaîne YouTube, même si je ne suis pas actif. Je vois qu'il y a quand même en 48 heures plus de 10 000 vues au total sur toutes mes vidéos réunies. Donc je tiens quand même à vous remercier, ça fait vraiment extrêmement plaisir le nombre d'engouement qu'il y a sur ma chaîne YouTube et je ne cesserai de vous remercier. Et c'est grâce à ça que je peux tout simplement générer des revenus sur la plateforme YouTube. Voilà, car j'ai pas vous le cacher les potes, je gagne quand même un petit peu de revenus. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une petite vidéo FAQ. Voilà, ça me ferait vraiment super plaisir. Donc simplement, vous n'allez pas remercier le chauffeur de bus, très double abattage, on part directement au glitch. Vous ne remerciez pas le chauffeur de bus, c'est super important. Et donc je vais vous montrer exactement où il va falloir tout simplement aller. Donc tout simplement je vais pin le petit endroit si j'arrive à le pin. Juste ici les potes. Donc il faut savoir que j'ai trouvé mes glitches. Donc je les trouve tout simplement 24 heures avant. Donc tout simplement de réaliser le glitch. Donc c'est pour ça, voilà. Donc tout simplement on va directement aller atterrir juste là-bas les petits potes. Voilà, on va atterrir là-bas. J'espère en tout cas que ce glitch vous fera extrêmement plaisir car j'ai passé énormément de temps à le trouver. Et donc simplement voilà, c'est pour ça que je m'accorde un petit week-end tout simplement les potes. J'espère que ça vous fera pas trop chier. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires quel type de glitch vous voudriez. Car vraiment je suis un peu à court de glitch, etc. Donc ça serait vraiment sympa si vous pourriez m'aider à trouver des petits contenus. Si vous voulez, je sais pas, j'ai une vidéo sur un skin à voir gratuit. Je verrai s'il y a. Et je vous préviendrai s'il n'y a pas de manipulation réellement fonctionnelle. Là tout simplement je sors à peu près les mêmes glitches, c'est à peu près. C'est à peu près tous les mêmes guides sur Fortnite, etc. Donc c'est pour ça, voilà, que j'essaie de vous faire un maximum de vidéos sur la chaîne YouTube. Donc directement, quand vous arrivez ici, comme vous pouvez le voir, vous avez donc directement un petit avion tout simplement qui s'est crash. Et donc tout simplement, vous allez devoir aller vers l'avion. Donc vous allez tout simplement juste ici. Vous grimpez, c'est super important. Vous vous mettez comme moi. Ça ne sert à rien d'ouvrir vu que vous n'aurez pas besoin. Voilà, vous allez sauter directement dans l'eau. Et donc tout simplement vous allez devoir aller tout là-bas. Et donc quand le chrono sera tout simplement, je vais vous montrer. Pas pour le moment les petits potes. Voilà, comme vous pouvez le voir, il faut attendre 2 minutes et 40 secondes avant de quitter la partie. Donc vous allez vous essayer d'aller au plus loin possible. Et donc tout simplement vous allez devoir quitter la petite partie. C'est super important. Voilà, vous quittez, oui, etc. Il faut que vous soyez dans le menu quand ça atteint les 50 secondes. Si vous dépassez les petites secondes, ce n'est pas dérangeant les potes. Voilà, il faut savoir, ce n'est pas vraiment dérangeant, hein. Je tiens quand même à le préciser lors de cette vidéo. Donc voilà, on arrive tout simplement dans le salon. Une fois que vous êtes dans le salon, il va falloir directement aller dans le casier. Une fois que vous êtes dans le casier, vous allez simplement devoir aller dans votre skin et donc tout simplement enlever les skins que vous avez. Comme vous pouvez voir, vous avez le skin Bambi qui est directement mis, donc le skin qui est préalablement choisi par Fortnite quand vous n'avez pas mis d'argent dans le jeu. Une fois que tout simplement vous avez ce petit skin, il va falloir appuyer en bas à gauche de votre écran. Donc tout simplement, je vais vous mettre un petit code qu'il va falloir donc tout simplement... directement rentré. Donc je suis tout simplement en train de le noter, ça peut prendre un petit peu de temps, voilà les potes, hein, que je note, etc., le petit code. Du coup voilà, je suis en train directement de noter ce petit code. Voilà, et donc comme vous pouvez le voir en bas gauche de votre écran, je viens directement de vous mettre le petit code, donc qui est free V-Bucks espace, et vous devez rentrer la petite ligne de code que je vous ai mis, donc qui est 6.0.8.0 espace 7.8.0.0. Je me répète au niveau du petit code free V-Bucks, hein, avec un F majuscule à free. Ensuite un espace, vous mettez 6.0.8.0 espace 7.8.0.0. Une fois que vous avez mis ce petit code, vous allez directement l'envoyer. Et donc une fois que vous avez fait, vous allez appuyer rapidement sur changer de mode. Vous appuyez sur changer de mode. Et donc vous allez directement vous mettre en solo. Comme vous pouvez le voir les potes, normalement votre petit message est totalement revenu en bas à gauche de votre écran. Si le message bien évidemment n'est pas revenu, vous connaissez la chanson, je vous laisse refaire la manipulation car ça veut dire que le glitch n'est pas en train de fonctionner pour vous. Si le petit message est revenu en bas à gauche de votre écran, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie pour bien réaliser la manipulation. Du coup vous pouvez continuer justement avec moi cette manipulation. Une fois que le message est revenu, vous allez donc directement aller dans les paramètres de votre jeu. Vous allez appuyer sur signalement retour, c'est super important. Ensuite, vous allez appuyer sur signaler un bug.
Ensuite, vous allez aller juste en bas, vous allez appuyer sur objet cosmétique, tenue, planeur, immo de pioche, revêtement. Vous allez ensuite appuyer sur cet objet cosmétique dégrade les performances du jeu. Vous allez appuyer sur continuer, sur accepter. Et donc si vous recevez un petit message, tout simplement, je vais vous montrer, normalement vous allez devoir recevoir un petit message. Ça veut dire que vous avez bel et bien réussi la manipulation. Donc voilà, on a reçu le petit message. Donc merci d'avoir signalé ce bug relatif à cet objet cosmétique dégrade les performances du jeu. Votre signalement nous aide à faire de Fortnite un endroit accueillant pour tous. Amusez-vous bien. Et donc directement, vous allez pouvoir fermer la page. Et donc directement, une fois que vous êtes arrivé chez lui, ça veut dire que vous avez fini la manipulation. Il faut savoir que vous n'allez pas débloquer maintenant les V-Bucks sur votre compte Fortnite. Il faut savoir que la manipulation prend entre tout simplement 13 heures, si je ne me trompe pas, entre 13 heures et 24 heures avant donc tout simplement de recevoir vos V-Bucks. Donc si vous voyez que d'ici 13 heures à tout simplement 24 heures ou à 22 heures, voilà, vous pouvez le recevoir entre tout simplement 13 heures ou 24 heures ou 13 heures entre 22 heures, voilà, comme vous le prenez les potes. Et bien donc simplement, il faut savoir que si vous n'avez pas reçu vos V-Bucks entre 13 heures ainsi que 24 heures, et bien donc tout simplement, ça veut dire que vous avez soit mal fait une étape de cette manipulation, ou soit vous n'avez pas écouté attentivement ce que j'ai fait. Il faut savoir qu'il y a un taux de pourcentage de réussite du glitch, etc. Le taux de pourcentage de réussite est actuellement, à l'heure où je vous parle, de 44%. Donc c'est-à-dire que vous avez un peu moins de 1 chance sur 2 de bien réaliser la manipulation. Je m'explique. En gros, imaginons, vous avez tout bien fait la manipulation, etc. Vous avez attendu 24 heures, etc. Le temps que la manipulation se fasse, et vous n'avez pas débloqué vos V-Bucks d'ici 24 heures. Et bien, donc simplement, ça veut dire que le taux de pourcentage de réussite qui est de 44% n'a pas été en votre faveur. Donc, je vous laisserai refaire la manipulation et vous verrez que, je sais pas, si vous réalisez 3-4 fois la manipulation, et bien, donc vous aurez forcément vos V-Bucks sur votre compte Fortnite. Il faut savoir qu'il y a une question qui revient très très souvent, et je tiens quand même à y répondre dans l'espace des commentaires. Est-ce qu'on peut faire la manipulation plusieurs fois pendant les 24 heures, ou il faut attendre? Et bien simplement, il faut vraiment attendre. Vous pouvez faire qu'une seule fois la manipulation dans les 24 heures, et une fois les 24 heures passées, bah vous pouvez refaire la manipulation, bien sûr, mais là vous pouvez la faire qu'une seule fois. Et oui, vous pouvez jouer à Fortnite pendant que vous avez fait la manipulation, juste ne touchez à rien pour la manipulation, c'est vraiment super important, je compte sur vous. Sur ce, les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura extrêmement plu. Si ça vous a plu, vous invite vraiment à liker cette vidéo. Je compte sur vous, les potes. Toi qui n'as toujours pas liké cette vidéo, tu le likes. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'hésite vraiment pas à liker cette vidéo. Ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésite pas à spammer ton Epic Game dans l'espace des commentaires. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'oublie pas que tous les jours, j'ai des petits cadeaux à mes abonnés. Donc, spam bien ton Epic Game dans l'espace des commentaires. Spam bleu. Bien 50 fois, super important pour tenter de gagner un petit cadeau comme la personne qui l'a simplement eu en début de vidéo. Je compte vraiment sur toi, poteau. N'hésiteront pas à partager cette vidéo si par exemple toi t'as un pote, etc., qui cherche une manipulation pour avoir des V-Bucks totalement gratuitement. Et bien n'hésite pas à lui partager cette vidéo, je pense que ça lui fera énormément plaisir. Sur ce, les potes, cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube avec la cloche des notifications. Et on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur ma chaîne YouTube. Sur ce, les potes, c'est ZDRZ. Passez un bon week-end, les potes.